Salut les amis, aujourd'hui je vous parle d'un nouveau produit que j'ai testé en début de semaine et qui s'appelle le Fit. Donc dans ce stick, vous retrouvez l'apport journalier de fruits et légumes que l'on est censé consommer. Donc les 5 fruits et légumes par jour, ça tient là-dedans. Vous le diluez dans de l'eau ou pour ceux qui n'apprécieraient pas le goût, dans du jus d'orange, 50 centilitres. Et vous le buvez au moment du petit déjeuner ou du déjeuner. Moi, j'ai fait l'erreur, si on peut dire, de le boire après mon petit déjeuner. Donc, j'ai dû le boire plus ou moins d'une traite. L'avantage en le buvant au moment d'un repas, c'est que vous pouvez couper. Et du coup, vous ressentez peut-être un petit peu moins le goût qui est un petit peu particulier dû à sa composition. L'avantage de ce produit, c'est qu'on retrouve les bienfaits des produits, des 5 fruits et légumes qu'on est censé consommer par jour, c'est-à-dire dans le fit, vous aurez beaucoup d'antioxydants, de vitamines, de fibres, de protéines, de minéraux et j'en passe. Je vous mettrai la composition dans un statut juste après cette vidéo, ne vous inquiétez pas, vous aurez aussi la posologie. Donc le fit, je l'ai testé en début de semaine, vous le diluez donc dans de l'eau ou du jus d'orange, ça vous secouez tout ça, ça va vous donner en fait un jus vert, comme si vous buviez un jus d'épinard ou un jus de chou kale ou un smoothie. La consistance n'est pas énorme, mais c'est vrai que ça fait quand même 50 centilitres, ça ne se boit pas comme ça. Donc vous buvez tout ça au moment du petit déjeuner ou du déjeuner. Au niveau de la couleur, donc ce sera voilà, un vert un peu foncé comme ça si vous le diluez dans de l'eau. Ça sent l'herbe, ce qui est normal vu sa composition. Et au niveau du goût, personnellement, quand je l'ai bu, j'avais l'impression, en fait, une fois que j'ai avalé le produit, j'avais un goût d'épinard qui me restait un petit peu dans la bouche, ce qui est normal puisqu'on retrouve de l'épinard, enfin des épinards, dans la composition du fit. Au niveau des bienfaits, c'est vrai que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Quand on entend, oui, les 5 fruits et légumes par jour, ça va vous apporter plein de choses. C'est vrai que bien, ça fait beaucoup de promesses et on ne sait pas forcément... On n'a pas forcément envie d'y croire. Et j'étais un petit peu sceptique avant de goûter au fit parce que c'est vrai que c'est un nouveau produit. Il est sorti en début d'année. On n'a pas encore beaucoup de témoignages dessus. Et en fait, j'ai été agréablement surprise parce que c'est vrai que j'ai ressenti... Je me suis sentie bien, je me suis sentie en forme, plus en forme que les autres matins où j'en avais pas pris. Donc c'est l'avantage de le prendre le matin, comme ça vous vous sentez bien toute la journée. Ce que vous allez manger après, ça va s'ajouter à ce que le fit vous a apporté. Donc c'est vrai que c'est un plus, j'ai ressenti vraiment un bien-être. Ça joue, c'est normal, le fit joue au niveau du système immunitaire, au niveau du système gastro-intestinal notamment. C'est pas les seuls bienfaits, mais personnellement c'est ce que j'ai retrouvé de plus. Étant donné par contre que c'est un produit qui contient de l'herbe d'orge et de l'herbe de blé, c'est un produit que les personnes intolérantes ou allergiques au gluten ne pourront pas consommer malheureusement. Après, c'est vrai que si ce n'est pas votre cas, l'avantage, quand est-ce que vous pouvez consommer le fit, c'est quand par exemple vous savez sur une journée que vous n'allez pas avoir l'apport des 5 fruits et légumes par jour, vous n'allez pas pouvoir en consommer autant ou voire pas du tout. Donc sur une journée ou dans une semaine, vous avez mangé beaucoup de choses et pas forcément beaucoup de fruits et légumes. Si vous voulez un petit peu réguler tout ça, eh bien vous prenez un fit au moment du déjeuner ou du petit déjeuner et du coup ça va bien réguler un petit peu plus votre organisme en antioxydants, en vitamines, en fibres, en minéraux. Donc je vais vous poster à la suite de cette vidéo un statut avec la fiche produit du fit et les photos que j'ai prises quand j'ai consommé le produit. Vous verrez un petit peu du coup à quoi ça ressemble au niveau de la couleur.
Ne vous attardez pas quand vous le consommez donc sur l'odeur ou sur le goût, parce que c'est vrai que si au départ ça peut être un petit peu difficile à avaler, on a des a priori, notamment à cause de la couleur, mais enfin, au bout d'un moment on s'y habitue au goût, donc ne vous inquiétez pas trop. Au niveau de la consommation, vous pouvez en prendre tous les jours, si vous savez que tous les jours, voilà, vous n'allez pas forcément pouvoir manger beaucoup de fruits et légumes. Après, vous pouvez aussi vous contenter d'en prendre un de temps en temps. C'est pas une obligation de faire une cure directe, on va dire. Donc voilà, c'était mon témoignage sur le feed. Je pense que j'ai parlé de tout ce qui était plus ou moins important. Vous retrouverez les détails donc de la composition, des bienfaits dans la fiche produit ainsi que la posologie. Et si vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à me contacter en message privé et je tâcherai de répondre à vos questions. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!